Salut tout le monde, c'est J. Aujourd'hui, on se retrouve sur le bureau pour un petit tuto pour vous expliquer comment on fait pour reconnaître un disque dur que vous venez juste d'installer qui est tout neuf. Souvent, le problème qui arrive en gros, c'est quand vous installez un nouveau disque dur, et bah, il n'est pas reconnu par l'ordinateur. En gros, enfin, vous l'avez bien branché, CAPSATA, relié à la carte mère, enfin, voilà, vous avez bien fait les branchements. Et vous voyez que le disque dur n'est toujours pas reconnu par l'ordinateur. En gros, quand vous allez dans démarrer ordinateur, vous ne le voyez pas ici. Moi en l'occurrence, ce problème m'est arrivé, c'est avec ce disque dur là, le nouveau. Je précise, ça arrive souvent avec les SSHD. C'est les nouveaux disques durs, c'est les disques durs hybrides. Bon, pour ceux qui savent pas, vite j'explique, c'est en fait des disques durs, c'est les nouveaux disques durs en gros, qui prennent la technologie du SSD et du HHD. Donc en gros, il prend la technologie du mécanique tout simplement, donc l'aiguille qui gratte sur le disque, et la mémoire flash du SSD. Donc ça fait qu'il est beaucoup plus rapide, enfin je sais pas exactement, mais un peu plus rapide qu'un disque dur normal, un HDD quoi, mais un petit peu moins rapide qu'un SSD. En gros voilà, ça arrive souvent avec ces disques durs là, même les autres. Donc pour régler ce problème là, pour le reconnaître, donc moi avant c'était celui-là quand je l'ai, voilà, je l'ai acheté, ça m'est arrivé hier, donc je l'ai branché et tout et je le voyais pas dans le démarrer ici là, dans le poste de travail. Donc comment j'ai fait pour que l'ordinateur le reconnaisse? Parce que franchement, je pouvais pas y accéder, hein. Donc tout simplement, pour le reconnaître, vous devez aller dans démarrer, clic droit sur ordinateur, gérer. Ensuite, là ici à gauche, dans le sommaire on va dire, il y a l'onglet stockage. Vous cliquez pas dessus, vous allez juste sur gestion des disques, vous double-cliquez dessus. Voilà, ça met un peu de temps à s'ouvrir. Et là en gros, vous avez tous vos disques, tout. Alors, moi je ne me souviens plus exactement ce qui était marqué, mais en gros vous allez voir votre disque en bas apparaître. Donc moi, enfin c'était lui, mais bon, j'ai réglé le problème du coup. Normalement à côté ça doit être écrit insupporté ou du genre pas reconnu, je sais pas quoi. Ça doit être écrit un truc de genre et il n'y aura pas la barre bleue ici. En gros, de toute façon vous allez bien voir, vous allez vite fait reconnaître le vôtre. Une fois que vous l'avez bien reconnu, de toute façon il est ici. Une fois que vous l'avez bien reconnu, normalement à côté c'est écrit problème à mon avis. À mon avis c'est écrit genre soit pas supporté, pas reconnu, un truc comme ça. Vous cliquez dessus en fait tout simplement sur votre disque et vous faites formater. Et vous choisissez en gros le format quoi et tout et vous faites OK. Et normalement c'est bon, en gros votre disque dur va être reconnu par l'ordinateur. Et normalement tout va bien se passer et là votre disque dur sera reconnu. Donc si vous avez des problèmes n'hésitez pas dans les commentaires, donc n'hésitez pas à poser des questions, je pourrais vous répondre le plus clairement et le plus rapidement. Et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un like, si vous avez pas aimé bah je vous mettrai des dislikes puisque c'est une vidéo tuto qui aide les gens. Si vous n'avez pas réussi bah posez-moi des commentaires, enfin au lieu de mettre direct un slice, un dislike, donc n'hésitez pas à poser des questions et tout. Donc voilà, c'était Juju, j'espère que ce tuto vous aura servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, allez bye.